Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Je vous salue. Aujourd'hui, 11 janvier, la Sainte Église universelle célèbre plusieurs saints. Mais en particulier, nous célébrons le pape Hygin. Son histoire est bien singulière, mais nous n'avons que peu de ressources sur sa vie. Voilà ce que nous pouvons en savoir. Hygin est le 9e évêque de Rome entre 136 environ et 140-142, selon l'historiographie officielle de l'Église. Il est fêté tous les 11 janvier. Selon la tradition catholique, il s'agit d'un Athénien ayant étudié la philosophie. Il s'est vivement opposé au courant gnostique du christianisme gnostique tel Cerdon et Valentin d'Égypte vers 140. Hygin prononce leur excommunication. Il est porté à son crédit aussi un début d'organisation du clergé sans que l'on possède d'informations réellement crédibles sur cette action. On lui doit, par exemple, l'instauration des parrains et marraines lors du baptême afin d'assister le nouveau-né dans sa vie future comme chrétien. Saint Hygin a également décidé que toutes les églises devaient être consacrées officiellement. Il est réputé être mort en martyr sous l'empereur Marc Aurèle, bien qu'il n'existe aucune preuve historique de ce fait. C'est une belle histoire que nous avons aujourd'hui. À vous tous qui portez le saint prénom Hygin ou l'un de ses corollaires, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints, défendez votre foi comme votre saint patron. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.